Caroline Pierre, je suis la directrice des finances et de la communication de Legue Édition et je suis aussi la rédactrice en chef de la revue Legue Littérature parce que dans la maison d'édition, on a une revue semestrielle qui sort tous les 6 mois sur une thématique. Maintenant, Legue Édition, c'est une maison d'édition haïtienne fondée en Haïti en 2012 par 3 collègues, moi-même et Dieulamé, son petit frère qui est directeur de publication. Et puis, il y a Robert Charles qui est notre directeur aussi. Bon, la maison est Legue Édition. On a publié dans 8 collections. On a une première collection, c'est Voix féminines. Dans cette première collection, on publie que des femmes, des grandes voix de la littérature haïtienne, mais que des femmes. Maintenant, on a une deuxième collection, c'est la collection critique. Dans cette collection, on publie des réflexions sur la littérature haïtienne. On a 2 livres déjà dans cette collection. On a une autre collection, c'est collection poésie. On publie des poésies contemporaines par des auteurs haïtiens. Et puis, on a une collection Je découvre et collection jeunesse. Dans cette collection, c'est réservé pour les enfants de 8 à 14 ans. Dans cette collection, on donne une vue et une biographie surtout aux enfants, c'est leur permettre de connaître ou bien de faire la connaissance avec des grands noms, soit dans l'histoire nationale ou l'histoire mondiale. On a une collection textes courts. Dans cette collection, on publie des petits romans et des nouvelles. Et puis, on a une collection centenaire. Dans cette collection, on publie des textes ou bien des œuvres qui ont 100 ans. Et puis, en dernier lieu, on a une collection hybride. Dans cette catégorie, on publie tous les genres presque, mais avec des auteurs haïtiens et étrangers. Maintenant, là, c'est ça, Legue Édition. Legue Édition, c'est amour, c'est colère et puis c'est folie. Bref, c'est ça. L'Alliance m'apporte une vue, non seulement nationale, c'est-à-dire dans mon pays, et puis une vue vers l'international. Parce qu'avec l'Alliance, j'ai le privilège de travailler avec des éditeurs français et des éditeurs francophones. Parce que l'année dernière, j'ai été dans cette foire grâce au BIEF et puis l'Alliance. Et puis, j'ai eu des rencontres professionnelles et puis j'ai eu des droits pour publier un livre de Yannick Lyons qui a reçu le Féminin. Et puis, j'ai d'autres projets. Maintenant, je peux dire avec l'Alliance, avec le BIEF, l'avenir me sourit là.